Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne que j'ai décidé d'ouvrir. Une petite vidéo de présentation puisque j'ai fermé ma chaîne précédente. Ça fait à peu près 4 mois que j'ai fermé ma chaîne et aujourd'hui j'avais envie de revenir dans une chaîne enfin, différente dans le sens où je ne parlerai pas de lecture ici, ou alors ce sera succinctement lors de vidéos papotage pour vous montrer, voilà, peut-être la lecture dans laquelle je suis. Voilà, il y aura pas. J'ai décidé vraiment d'arrêter les vidéos lecture. Ce sont des vidéos qui prennent énormément de temps, beaucoup d'investissement. Et à la longue, c'est quand même épuisant. J'ai plus envie de procéder comme je procédais avant. C'est pour ça que j'ai fermé ma chaîne. J'ai eu un gros ras-le-bol de YouTube. J'ai eu un gros ras-le-bol de vidéos qui, en montage, en tout, j'étais fatiguée. Bon, j'ai eu des problèmes de santé. Mais la chaîne ne me correspondait plus du tout. Donc, j'ai décidé de la fermer. Ça m'a fait beaucoup de bien de rester à l'écart de YouTube, même si je continuais à consommer un petit peu. De ne plus moi-même faire de vidéos, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous parlerai de tout ça dans une vidéo papotage. Ici, je voulais juste vous annoncer en fait donc que j'ai donc une nouvelle chaîne. J'ai décidé d'en ouvrir une nouvelle qui sera uniquement consacrée au coloriage et au diamond painting. Alors le diamond painting c'est assez surprenant, j'oserais dire, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas refait. Je m'y suis remise sur une toile que je suis en train de faire pour ma maman. Et ça fait quelques jours que j'y suis dessus régulièrement et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc les vidéos seront plutôt courtes. Je mise sur des vidéos de 20-25 minutes maximum. Ce sera des vidéos de papotage. Il n'y aura pas ou peu de coloriage accéléré notamment. Je pense prendre le même format de vidéo coloriage que Caroline. J'aime beaucoup sa façon de procéder. Elle commence avec du papotage en démarrant le coloriage avec vous et puis de son côté, elle continue à avancer et dans la même vidéo, elle vous le montre terminé. Je pense que je vais partir sur des vidéos comme ça pour le coloriage. Et pour le diamond painting, je pense que je procéderai à peu près de la même façon, même si un diamond painting se termine beaucoup moins vite qu'un coloriage. D'autant plus que je suis quelqu'un qui aime les diamond painting grands. Donc j'ai très peu de petites toiles, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'était une vidéo sur laquelle je vous annonçais mon retour. Je vais donc faire une première vidéo papotage avec un diamond painting que je suis en train de faire. Je vous expliquerai un petit peu comment je procède. Et puis, il y aura une autre vidéo sur un coloriage mystère, puisque je fais que du coloriage mystère maintenant depuis plusieurs mois. Vous savez, ça fait à peu près, ça fait presque un an même d'ailleurs que je me suis vraiment concentrée sur le coloriage mystère. Voilà. Il y aura diverses vidéos concernant l'EDP et le coloriage. Je pense notamment, je vous montrerai, alors ce sera une vidéo rapide parce que j'en ai pas fait énormément, je vous montrerai l'EDP que j'ai terminé. Je vous montrerai aussi mon stock qui n'est pas énorme. Je dois avoir peut-être entre 10 et 15 toiles, je pense. Je ne les ai pas recomptées, hein. J'avais fait toutes ces vidéos, enfin j'avais fait des unboxings à l'époque où j'avais mon autre chaîne. Mais comme tout a été effacé, je vais vous faire ces deux vidéos-là. Et en coloriage, je vous montrerai par contre le matériel que j'utilise pour mes coloriages mystères. J'en ai pas mal discuté avec Caro. Et c'est vrai que c'était une des vidéos sur mon ancienne chaîne qui avait le plus fonctionné. J'avais entre 10 et 12 000 vues, je crois, dessus. Et ça a aidé pas mal de personnes. Simplement pour vous montrer qu'avec des feutres, parce que par contre, je ne colorie qu'au feutre. Voilà, avec des feutres de bas voire moyenne gamme, on peut faire de très jolis coloriages sans se ruiner. Voilà, ça a toujours été le principal, enfin comment je pourrais dire,
Ça a été le point d'honneur sur ma chaîne, de mon ancienne chaîne, et je veux que ce soit la même chose sur celle-là. Vous montrer, que vous puissiez vous prouver à vous-même qu'avec des feutres de moyenne gamme, vous puissiez réaliser de très beaux coloriages. Voilà. Je vous montrerai aussi comment je fais moi ma technique en coloriage pour avoir le moins de traces possible. Et je vous ferai deux vidéos qui seront assez courtes hein, sur les coloriages que j'ai fait au mois de juillet et au mois d'août, puisque le mois de septembre n'est pas terminé. Ou alors je regrouperai les deux parce que je crois qu'au mois d'août, j'en ai pas fait énormément. Enfin bon, je verrai parce que je note tout. Voilà. Et après, ben, les vidéos papotage. Ne vous attendez pas à avoir des unboxings sur cette chaîne parce qu'il n'y en aura pas. Je n'achète rien. Voilà, j'ai pas la possibilité de dépenser l'argent que je n'ai pas. Mon mari est tout seul à travailler, malheureusement. Malgré, voilà, je fais des recherches quotidiennement pour avoir du boulot, mais bon, là où je suis, il n'y en a pas. Donc, on est en train de. Je pense qu'il va y avoir quand même de gros, gros changements dans ma vie d'ici fin d'année, peut-être début d'année prochaine, à voir comment ça se tourne. Voilà, donc des décisions vont être prises dans ma vie perso. J'ai besoin de papoter, j'ai besoin de m'occuper et bah, cette chaîne en fait sera là pour m'aider à évacuer le trop-plein de certaines choses. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour les vidéos que je vous proposerai. Je suis vraiment contente de revenir. Je remercie aussi ma fille qui m'a trouvé le nom de la chaîne parce que ça n'a pas été évident. Voilà, je voulais vraiment passer à autre chose et Colors and Diamonds, c'est une façon de passer à autre chose. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Je suis vraiment ravie d'être de retour. Et je vous dis à très vite. Bye bye!